Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la transmission génétique de l'hémophilie A. Rappelons ce qui est l'hémophilie A. C'est un trouble congénital de la coagulation plasmatique dû à un déficit en facteur 8 qu'on appelle l'anti-hémophilique A. C'est une maladie qui est héréditaire à transmission récessive liée au chromosome X. C'est-à-dire que l'anomalie génétique est portée sur le chromosome X, symbolisé ici sous forme de petit h. Vu que les garçons ne possèdent qu'une seule copie du chromosome X, et donc l'allèle récessif petit h peut s'exprimer, alors que les femmes sont des conductrices de la maladie. L'hémophilie chez les filles est pratiquement inexistante. Pour qu'une fille soit hémophile, son papa doit être lui-même un hémophile et sa maman une conductrice de la maladie. Et dans ce cas de figure, la moitié des filles est conductrice et l'autre moitié est hémophile, alors qu'une moitié des garçons est hémophile. Et vu que cette union entre hémophile et conductrice de la maladie est pratiquement inexistante dans notre société, l'hémophilie ne se voit pratiquement jamais chez les filles. Après ce rappel sur la transmission de l'hémophilie, prenons un exemple. Un homme hémophile marié à une femme non conductrice. Il va transmettre à ses fils le chromosome Y, alors que les filles vont hériter le chromosome X, porteur de l'anomalie. En conclusion, toutes les filles vont être conductrices de la maladie, alors que les garçons vont tous être indemnes.